Bonsoir à tous. C'est un conflit qui se déroule à nos portes en Europe, mais qui n'est pas dans l'œil médiatique. Depuis 5 ans, l'Ukraine vit une guerre qui a fait 13 000 victimes et des dizaines de milliers de blessés. Les rêves portés sur Maïdan semblent bien loin, même s'il y a des signes d'espoir. On va en parler avec notre invité, Mgr Boris Goudziak, qui a été l'évêque de l'éparchie pour les Ukrainiens gréco-catholiques de France, du Benelux et de Suisse pendant 6 ans. Et puis dans le reste de l'actu, alors que le Panama vient d'élire son nouveau président, quels sont les fruits des JMJ près de 4 mois après l'événement? On entendra le témoignage d'une religieuse du diocèse de Chitré. Mais on commence cette émission par les repères à retenir sur l'Ukraine. L'Ukraine est située en Europe orientale, elle est bordée par la Biélorussie, la Russie, la mer d'Azov, la mer Noire, la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. La population est de 45 millions d'habitants, la capitale Kiev. Sur le plan religieux, l'Ukraine compte environ 68,8% d'orthodoxes, 10% de chrétiens culturels, mais qui ne sont affiliés à aucune église, 9% de la population est sans religion, 8,5% sont gréco-catholiques, 1% catholiques latins, 1,2% protestants et 0,8% environ juifs ou musulmans, 0,7% sont d'autres religions. L'église gréco-catholique de rite byzantin est unie à Rome depuis le XVIe siècle, compte aujourd'hui 4 à 5 millions de fidèles, essentiellement présents dans l'ouest de l'Ukraine. Durant les années communistes, elle fut quasiment éliminée, perdant 90% de son clergé. Mais depuis les années 90, cette église, sortie des catacombes, connaît un vrai renouveau. Elle s'inscrit aujourd'hui dans un paysage religieux complexe, marqué par de fortes divisions internes à l'orthodoxie entre autocéphalie et rattachement au patriarcat de Moscou. Mais la situation générale du pays, plus largement, est difficile. Depuis 5 ans, vous le savez, l'Ukraine est enlisée dans une guerre à l'Est qui a fait 13 000 morts, plus de 28 000 blessés et 1,5 million de déplacés. Une guerre qui a aggravé la crise économique déjà présente dans le pays. C'est donc un double défi auquel doit faire face le nouveau président élu le 21 avril dernier, Volodymyr Zelensky, un comédien, novice en politique. Tout de suite, on retrouve notre invité, Mgr Goudziak. Mgr Boris Goudziak, un grand merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes très occupé pour ces dernières semaines puisque vous vous apprêtez à partir pour les États-Unis. Vous avez été nommé archevêque métropolitain des Ukrainiens. Vous serez à Philadelphie. Vous avez été jusqu'à présent, pendant 6 ans, évêque de l'éparchie Saint-Vladimir-le-Grand pour les fidèles ukrainiens qui sont en France, au Benelux et en Suisse. On va parler avec vous de ce qui se vit en Ukraine. On n'en entend plus du tout parler, il faut le dire, dans les médias. Que vous nous donniez un petit peu, vous, votre regard sur ce qui se vit, sur ce que vivent les chrétiens. Et peut-être un premier mot, puisque les élections se sont déroulées il y a quelques jours, créant une certaine surprise avec l'élection d'un comédien qui n'avait pas du tout d'expérience politique. Qu'est-ce que cela dit, ce vote, selon vous, par les Ukrainiens de ce profil? Si je voudrais remercier tous les Français, l'Église, les évêques, les prêtres ici à Paris et dans tous les parties où nous avons les paroisses pour l'accueil. Parce que ces années étaient pour moi vraiment une période riche et j'apprécie beaucoup la chaleur et l'accueil reçu. Tournant à la question politique en Ukraine, il y a un nouveau président qui hier a eu une rencontre avec le chef de notre église, sa béatitude Sviatoslav Chevchuk. Il est un novice. Il a vaincu l'élection sans une grande conversation normale avec la population. Il a seulement présenté le caractère qu'il a joué, le rôle qu'il a joué comme président d'une série de comédies. Donc, personne vraiment sait qu'est-ce qu'il veut faire et comment il le fera. Pas de programme clair. Il n'a pas fait les conférences de presse, il n'a pas publié un programme.
en programme. Donc, il y a beaucoup de questions. Mm-hmm. Mais j'ai une confiance dans le peuple ukrainien qui, déjà presque 30 ans après la chute du communisme, vraiment commence de vivre la démocratie. Il y a une presse libre, mm-hmm. il y a une discussion publique avec beaucoup de voix, il y a la liberté de la pratique religieuse. Mm-hmm. Et je pense que peut-être d'une manière analogique, beaucoup pensaient que Trump changera tout aux États-Unis, mais il est devenu clair qu'il y a une société, il y a un système, il y a les habitudes qui ne peuvent pas être cancellées. Annulées, disparaître. Annulées, oui. On va revenir évidemment sur ce qui se passe aujourd'hui dans cette guerre qui se poursuit depuis 5 ans. On fait un petit retour en arrière sur Maïdan, il y a 5 ans. On en avait beaucoup parlé, nous ici, avec ces manifestants descendus spontanément par centaines de milliers dans les rues de Kiev, sur la place de l'Indépendance, et ce mouvement avec des aspirations démocratiques très fortes. Qu'est-ce que c'est devenu 5 ans plus tard, Maïdan ? Est-ce que ça existe toujours ? Est-ce que ça a engrangé des choses positives pour le pays ? Beaucoup de personnes ont ou la nostalgie ou ils pensent que leurs espérances n'ont pas matérialisé. J'ai eu l'occasion d'être sur Maïdan mm-hmm. parce que le Maïdan était un lieu de prière. Chaque heure, les représentants des différentes confessions ont prié ensemble sur Maïdan, sur place de la Concorde, on peut dire. On va en voir quelques images d'ailleurs. Oui, et j'étais interlocuteur avec les personnes présentes et j'ai répété beaucoup de fois, nous avons commencé un long pèlerinage de la peur à la dignité. Ce n'est pas un an, ce n'est pas 5 ans et 2 générations c'est long. Qui sont nécessaires pour vraiment affecter une transformation de la société, de la conscience, des cœurs. Donc, je pense que les choses sont plus ou moins normales. Il y a une grande difficulté encore avec la corruption, mm-hmm. mais la corruption, ce n'est pas seulement les hommes ou les femmes politiques. C'est une manière de vivre quand il n'y a pas la liberté. On ne fait pas les choses ici, on fait comme ça. C'est un processus long. C'est un processus long et la difficulté, ce n'est pas peut-être dans ce que passe, mais dans les attentes qui ne sont pas réalistiques. Mais le change vient et déjà, il y a toute une génération qui n'a pas vécu dans l'Union soviétique. Et c'est déjà génération. Beaucoup, parce que le ADN de la peur n'était plus leur ADN. Donc j'ai beaucoup d'espérance dans le futur. Et dans cette jeunesse ukrainienne oui. On va parler évidemment de la guerre, sans redonner tous les éléments de ce qui s'est passé, mais un contexte avec des séparatistes pro-russes, des régions qui ont bougé, la Crimée qui a rejoint la Fédération de Russie, des milliers de victimes, donc un conflit qui, sur certaines zones, s'est un petit peu apaisé au niveau armé, mais il y a quand même encore des zones oui. de tension. Dites-nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit dans ces zones-là qui sont encore touchées par le conflit ? Dans la partie occupée et cette zone grise, où il y a le bombardement presque chaque jour, il y a chaque semaine quelqu'un tué, presque chaque jour. Donc la vie là est très difficile. Il y a la difficulté que l'infrastructure est détruite. Mm-hmm. Les rues, les ponts, les écoles, les hôpitaux
Il y a la difficulté avec la médecine et beaucoup de personnes sont parties. Comme vous avez montré, au moins 1,5 million de personnes, de 4 millions. Doit créer aussi une situation humanitaire difficile. Oui, mais 1 million de ces personnes sont en Ukraine centrale et occidentale. Et c'est une autre chose impressionnante, qu'il n'y a pas de grandes tensions sociales. Nous tous avons regardé comment difficile il était pour 80 millions d'Allemands d'absorber 1 million des Syriens. Certainement, ici, il y a la même culture, mais 1 million de personnes étaient absorbées par 40 millions. Et ça a été possible ? C'est des personnes qui ont pu trouver un emploi, reconstruire quelque chose ailleurs ? Oui. Il y a une solidarité avec les Ukrainiens ? Oui, une grande solidarité, une ouverture. Les Tatars, par exemple, de la Crimée, qui sont la population plus persécutée par les Russes, là, ils sont acceptés à Lviv, dans les autres lieux. Pour moi, c'est une chose remarquable. Comment la société ukrainienne a réagi. Vous avez vu sur le plan humain des choses qui sont porteuses d'espérance. On peut dire la continuation réelle de Maïdan. Le Maïdan était un lieu de grande solidarité. Par exemple, tu pouvais venir 500 km en hiver à Kiev et quelqu'un te donne les clés à leur appartement pour passer la nuit. Je reste ici, mon adresse est là, tout va et prendre quelques heures de repos. Cet esprit, pour moi, était très touchant et il y a beaucoup des autres manifestations. Par exemple, l'aide que toutes les paroisses, aussi notre paroisse ici à Paris, toutes les paroisses dans l'Occident, ont offert pour les personnes sans tête, sans toit, ça va sans tête, voilà. Et qui sont sans maison. D'accord. Donc, vous avez envoyé des colis. Oui, voilà, par exemple, notre petite paroisse qui a 100 personnes à Bruxelles, régulièrement, a envoyé 4 ambulances. D'accord. Dans ces années. Ils ont acheté et envoyé en Ukraine. Avec toutes les difficultés, nous voyons que la croix portée d'une manière avec la foi porte à la résurrection. Et cet moment pascal est vraiment présent dans tous ces événements et du Maïdan et de la guerre après. Vous le ressentez comme ça, Monseigneur ? Mon expérience. Je pense que beaucoup de personnes souffrent. La souffrance, la croix est une chose réelle. Ce n'est pas une introduction littéraire à la Pâque. C'est vraiment une souffrance, mais nous ne voyons pas la violence sociale comme à Paris avec les Gilets jaunes. La destruction irrationnelle. La population a compris que le passage de le totalitarisme, qui était incroyable, en Ukraine, entre 12 et 15 millions de personnes étaient tuées dans le XXe siècle. Entre 32 et 45, l'Ukraine était vraiment la terre, le territoire plus dangereux du monde. Et il y a quelques sagesse dans cette population qui comprend qu'on a besoin de temps. Certainement, les élections montrent aussi un désir d'un changement plus rapide. Et ce comédien qui a fait les promis sans les claires idées était voté. Mais nous voyons.
Donc il y a des attentes, des aspirations fortes, des impatiences du côté des Ukrainiens, mais qui font aussi preuve de sagesse, vous le dites. On va parler aussi de ce rôle de l'Église. Et vous le rappeliez, hein, Maïdan, qui était un lieu de prière, et on se rappelle très bien de ces images, on en a vu, on va en revoir, de ces tentes dressées sur Maïdan, ces chapelles avec des personnes qui rentraient, qui allaient se faire confesser. Il y avait des célébrations de messe. Vraiment, c'était impressionnant. Quel a été le rôle de l'Église durant le conflit? Parce qu'ils ont été très présents, et en particulier les gréco-catholiques, à cette période-là de Maïdan. Après, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Donc, il y a le rôle spirituel. Il y a la vocation de tenir l'état moral de la population. Parce que la guerre... les funérailles sont difficiles. La guerre a touché toute la population. Et il est important d'aider les personnes de maintenir la foi et l'espérance dans le futur. L'Église a organisé aussi beaucoup des projets d'aide humanitaire pour les orphelins, pour les personnes qui étaient réfugiées. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes blessées, sans jambes, sans yeux, avec la santé vraiment blessée. Donc, beaucoup, beaucoup des projets des églises ont engagé un grand pourcentage de la population. Ce sont les choses « soft », ce sont les choses pas médiatisées, invisibles. La guerre n'est pas visible. Toutes les autres choses restent encore plus cachées. On a parlé aussi du rôle peut-être un peu trop politique de l'Église. Et le pape François avait mis en garde sur cette implication des évêques. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Église est peut-être allée un peu trop loin? Ou pas? Nous avons une rencontre avec le pape le 5-7 de juillet. Oui, vous avez les métropolites, oui. Et j'ai eu une rencontre il y a 3 semaines. Vous avez abordé cette question-là en particulier? Non, nous avons parlé plus de la situation en France et ma nomination aux États-Unis. Mais en juillet, certainement, ce sera un argument central. Oui, le pape qui a exprimé sa préoccupation tout au long de ces années, qui a maintes fois prié, a organisé une grande quête en 2016 pour l'Ukraine, et ce rendez-vous donc prévu en juillet pour encourager l'Église gréco-catholique. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce moment-là? Mon expérience personnelle, aussi de 3 semaines, est que le pape est un homme très concret et direct. Et il parle et comprend un langage pas théorique, pas abstrait, mais les choses concrètes. Il y a 4 ans, j'ai dit à son père, 3 mois, ils ont besoin d'aide, nous pouvons aider, nous aiderons. C'est les mots que le pape peut dire. Et le pape a décidé en 2 semaines de faire l'enquête et cette grande action d'aide humanitaire. J'espère que nous pouvons parler d'une manière similaire en juillet. D'accord. Donc une attente d'un soutien de la part du pape pour ce qui se passe en Ukraine. Du soutien, de compréhension de la souffrance. Mm-hmm. Le pays souffre. Il y a une invasion. Nous devons appeler les choses comme elles sont. Il y a le grand pouvoir qui veut contrôler un pays qui veut être libre. Ce sont les choses simples, mais ils n'entrent pas bien dans les schémas de business, de l'économie, de la grande politique. J'espère que le pape, comme notre Seigneur, sera toujours prêt aux petits, aux pauvres, aux personnes qui souffrent.
l'Église, dont vous le disiez, hein, engagée, l'Église aussi qui fait face à des défis, et notamment l'émigration de fidèles, le départ, les mouvements de population. Vous avez fondé, vous, la première université catholique sur le territoire de l'ancienne Union soviétique, à Lviv, et vous allez d'ailleurs recevoir le 29 juin le prix Notre-Dame, qui est décerné par l'Université américaine Notre-Dame, pour votre engagement au service de la foi, l'éducation, l'assistance aux plus vulnérables. C'est un prix qui est décerné à des personnalités comme Mère Teresa, Jimmy Carter, qui l'ont reçu. Il y a également Jean Vanier, qui a été rappelé à Dieu. Jean Vanier, que vous avez connu aussi personnellement. Quel souvenir vous en gardez ? C'est une grande perte pour moi, personnellement. Il a fait une leçon à l'université de Harvard quand j'étais doctorant en 84, et nous avons eu 35 ans de relations. Il venait souvent à notre université. Notre université est basée sur la spiritualité de Jean Vanier. Nous avons invité notre ami avec les besoins spéciaux d'être dans le centre de l'université, pas comme un projet social, pas comme les pauvres qui ont besoin, mais comme les personnes qui peuvent aider aux personnes traumatisées par le totalitarisme d'être libres, parce qu'ils ne portent pas les masques, ils ne construisent les murs, mais ils demandent « tu peux m'aimer ». Et c'était la spiritualité de Jean. Jean m'a introduit ici avant de devenir l'évêque pour les Ukrainiens gréco-catholiques à Paris. J'ai fait une retraite ici. Jean a parlé à ma installation, mon installation. Donc, dans les derniers temps, je n'avais pas eu l'occasion de le voir. Parce qu'il était malade et il ne pouvait pas accepter les visites. Mais pour moi, Jean est un grand prophète de notre temps. Comme Mère Thérèse, je suis sûr qu'il est dans la maison de notre Seigneur avec grande joie. Et à nous reste de vraiment continuer sa vision, son travail. Donc, j'ai une grande, grande gratitude à Jean et à notre Seigneur qui nous a donné un personnage comme Jean Vanier. Merci beaucoup, Monseigneur Koudziak. Et nos prières vous accompagnent pour votre nouvelle mission aux États-Unis, où vous allez partir à la fin du mois de mai. Donc, pour Philadelphie, États-Unis, pays où vous avez grandi. Puisque vos parents étaient réfugiés aux États-Unis, à Syracuse. Merci, Monseigneur, et on va bien sûr continuer à suivre ce qui se passe dans votre pays. Je vous invite, Stéphanie. Vous connaissez les États-Unis bien, donc j'espère que nous en voyons aussi là. Ce serait bien, j'espère aussi. Au Sri Lanka, deux semaines après les attentats de Pâques, les églises continuent de rester fermées, mais les catholiques ont pu ces derniers dimanches suivre la messe à la télévision lors d'une célébration privée dans la chapelle de sa résidence, retransmise en direct par la chaîne nationale. Le cardinal Rangis, archevêque de Colombo, a loué la foi des paroissiens morts dans les attentats du 21 avril. Il a également lu un message du pape François qui renouvelle sa solidarité profonde pour tous ceux qui ont été touchés par ces crimes odieux et prient le Seigneur que, je cite, « des cœurs endurcis par la haine puissent céder à sa volonté de paix et de réconciliation entre tous ses enfants ». Le 5 mai, le Panama a élu son nouveau président. Il s'agit du social-démocrate Laurentino Cortizo, un éleveur de profession et ancien ministre.
Fin janvier, ce petit pays d'Amérique centrale de 4 millions d'habitants avait accueilli les JMJ, un temps de pause dans une période de tension autour de ces élections. Alors, quels sont les fruits de ces JMJ près de 4 mois plus tard? On écoute le témoignage par téléphone de sœur Esther Maria Rodriguez. Elle avait été coordinatrice des JMJ pour le diocèse de Chitré, ville de 46 000 habitants située à 250 km à l'ouest de Panama City. On l'écoute. C'est vraiment un temps de grâce. Il y avait beaucoup de tensions à cause des élections. Et je pense que la JMJ a été une sorte de changer l'ambiance générale du pays. Et tout à coup, c'était une sorte de parenthèse qu'on a vécu. Et on a essayé de sortir le meilleur de nous-mêmes. Et ça, on l'a pu constater pendant ces jours, parce que tout le monde, à ce moment-là, a oublié la politique et a oublié les préoccupations qu'on avait à ce moment-là. Et là, cette grâce était étendue par rapport aux jeunes. Et il y a beaucoup de paroisses dans les différents diocèses qui maintenant sont remplies avec le travail avec les jeunes. Disons, les jeunes s'approchent plus, mais pas comme récepteurs. Ils veulent participer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Et on se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine à tous. Au revoir.